chers frères et amis, serviteurs de Dieu, soldats de Jésus-Christ, pèlerins et voyageurs, nous disons merci à Dieu. Qui nous a donné l'opportunité de vous rencontrer encore ce soir. Sous même rubrique ça, pour parler de ton nom et son royaume. Nous avons cette grâce. Auprès de lui, nous disons merci à lui pour cette grâce. Certainement, il y a tant de personnes qui t'ont besoin de juste bénédiction ça. Mais il n'est pas propice pour eux parce que ils cherchent lui dans une condition qui n'est pas possible. Une condition qui est anormale, donc il va joindre. Mais moi, avec vous, nous jouons. Nous levons les mains en l'air pour nous dire béni soit Dieu. Et nous disons sortir au fond de notre cœur. Parce que il a fait des choses merveilleuses. Donc, c'est raison ça à soya, nous voulons rencontrer avec vous encore une fois pour que nous parlions de Dieu et de son royaume. Nous sommes capables de dire est-ce que le moment ça ce moment qui propice pour nous parler de Dieu, ou non pas. Est-ce que ce moment qui est favorable, ou non pas. Est-ce que ce moment qui est précieux, ou non pas. Est-ce que ce moment qui, like, il y a un moment qui, comment dire les gens, il y a un moment nous capables de dire qui est normal pour chercher la présence de Dieu. Il y a des personnes capables de faire plusieurs réponses de cela. Il y a des gens qui sont capables de dire oui, c'est possible. Il y a des gens qui sont capables de dire non, c'est pas possible. Il y a un capable de dire pour qui ça n'est pas possible. Il y a un capable de dire tout bien pour qui ça n'est possible. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu encore, peuvent dire mais pourquoi il est possible. Vous êtes possible. Pourquoi il est possible? Parce que ils ne connaissent pas Dieu, son pouvoir, sa puissance, sa sainteté, et sa justice, son autorité. Ils ne connaissent pas même son existence. Allez voir pour que nous te connaissions. Lui comme le créateur ou bien notre créateur. Juste pour être capable de dire oui, c'est possible. Pour les gens qui connaissent Dieu, pour les gens qui marchent avec Dieu, pour les gens qui sauvegardés et préservés par Dieu comme enfants de Dieu,
il a dit, mais oui, il est possible. Il est possible de chercher Dieu, c'est un temps pour chercher Dieu. Parce que ce temps nous pousse, ou bien ce temps pousse ceux qui connaissent Dieu à le chercher davantage. Ceux qui connaissent Dieu doivent le chercher davantage. Comment? Dans la prière, dans la consécration et dans le jeûne même. Comme on t'entendait que yon pasteur qui a dit jodi à la, pour qui ça que nous besoin jeûner? Et le temps de jeûner est déjà écoulé. Pas de jeûne maintenant. Pas besoin de répéter l'autre bagaille qu'il te dit, mais tout le monde qui suit sur les réseaux sociaux savent ce qu'il dit concernant de cela. Mais comme Paul avait dit aux chrétiens de Corinthe, le temps nous presse, le temps nous pousse à chercher Dieu. Le temps nous exige à chercher Dieu. Le bien entendu, l'église de Dieu, l'enfant de Dieu, les rachetés du Seigneur Jésus, le temps nous pousse à chercher Dieu much more, ou davantage. Et il n'y a pas de mal question qui posée concernant de ce temps-ci. De sens dont le temps dont le monde vivons maintenant. Le temps que nous connaissons maintenant. Le temps que nous dormons la donne, nous levons la donne, nous faisons activité, nous la donne, nous rentrons, nous sortons, amis, nous sortons et nous rentrons la donne, nous pensons la donne, nous réfléchissons la donne, nous faisons des projets la donne. Dans ce même temps, en même temps, temps mandé à réfléchir. Pour qui ça mandé à réfléchir? C'est parce que temps les marqué. Ou bien que Simba l'a dit le maquet, lui montrer certainement un événement qui va le passer. On dit que dans toutes les décennies qui sont passées, qui ont été écoulées, il y a toujours des événements qui enregistrés sous terre. Tu as toujours gagné des problèmes. Tu as toujours gagné et des attractions. Tu as toujours gagné des choses qui ont fait le monde troubler, qui ont fait le monde courir, qui ont fait le monde. Tu as toujours gagné tant ça. Donc pourquoi c'est ce temps-là que nous avons besoin poser plus d'actions concrètes et des actions tout pour que poser des actions concrètes et des actions positives parce que tant à montrer nous un événement qui va le passer, mais c'est toujours un événement, je suis entièrement d'accord, mais et après
Et deuxièmement, je suis capable de dire tout événement, c'est événement. Mais tout événement, pas même. Hein? Deuxièmement, après un événement, je suis capable de faire un autre événement. Certainement. Est-ce que mon te connaît comment événement qui vient après à comment la pied? Nous pas te connaît. Personne. Pas te connaît parce que personne ne peut prédire l'avenir. Et même lorsque les démons l'ont fait, il fait mention que qu'a prédit de l'amour à venir, des temps à venir. C'est pas vrai. C'est le mensonge, c'est pire, le mensonge. Il y a un seul monde qui a prédit l'avenir, son nom est l'Éternel des armées. Donc, c'est pour ça, ou bien c'est pour cela, il nous a donné sa parole. Qui écrite une fois pour toutes, qui a parlé, fait son chemin assurément et qu'a accompli assurément Jean que lui écrit sur le doigt ou bien sur le doigt du Saint-Esprit de Dieu par des hommes. No matter what, believe or not. Et c'est pour cette raison que l'État bon pour nous demander que c'est quoi? Bon, ça, tant, je ne vais pas dire pour tout le monde, non, mais c'est tout le monde qui doit poser cette question. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Et il y a quelqu'un qui a dit que la vie, c'est ça qu'on a vivre qu'on y a là. C'est ça que le monde te connaît déjà. Les gens qui passent, les gens qui ont été passés déjà pendant les décennies, ou bien whatever, ou bien qui passent par la mort, ou bien par n'importe quoi, ou bien événement, ou bien cyclone, whatever, te connaît, et bien ce même voyage au dia, oui, mais c'est quoi la vie? Beaucoup qui sont satisfaits. C'est quoi la vie? Ben, bon, il y a des gens capables de dire que, eh bien, ça n'a pas de inspiration que nous avons là. Nous avons inspiré. C'est la vie. Et bon, un style pour que d'accord. C'est la vie. Bon, on est d'accord, dit en partie. C'est la vie, mais qui ont l'autre sens, mais qui poko la vie même que nous besoin joindre signification ou bien étymologie ou signification ou bien étymologie la vie. Il y a des personnes qui peuvent dire que eh ben c'est ce que nous voyons au jour le jour, ce que nous vivons de jour en jour, ce que nous faisons de jour en jour. Nous pouvons dire aussi que ces choses-là font partie de la vie. Mais ce n'est pas la vie. Nous sommes capables de dire ensemble. Bagay sa yo fait partie de la vie. Mais ensemble aussi, yo pas la vie même. Yo fait partie de la vie. Nous fêtons, nous mangeons, nous grandissons, dans l'école, nous faisons des projets, nous faisons éducation, nous, arrivons, université, etc. Après ça, que nous faisons des projets pendant que nous sommes à l'école, et puis que nous arrivons à faire des projets, et puis que nous arrivons dans ce step côté que nous avons arrivé à, et malgré ça, nous sommes encore à la recherche de quoi? À la recherche de la vie? À la recherche de l'argent? À la recherche de habiter nos belles maisons? À la recherche de gouverner un pays ou une nation?
à la recherche de faire parler de nous, à la recherche pour nous gagner un foyer. Bon, il y a mon qui va même connaît bagaille ça, ça nous relève le foyer à la recherche pour ta gagner un foyer. À la recherche pour ta capable ben wo dans société là. Il y a mon c'est ça seulement qui tout projet lui pour arriver wo dans société là. Pour gagner renom, renommé des personnes renom dans notre société ou bien dans n'importe quelle société liée. Pour arriver qu'on est que monsieur Intel et madame Intel, c'est président Intel ou bien président Intel dans telle nation ou bien dans tel pays, etc. Et puis que l'arrivé dans la dimension ça yo, et puis il dit que maintenant, ma vive. Maintenant, c'est la vie. Et puis que ça finit pour lui. Les rivières dans bout côté les rivières, des maisons rivières, c'est la vie. Et puis que ça finit pour lui. Donc, la vive. Nous te joignons un texte. Alors, texte là, pendant l'esprit qu'on y a là, moi, songe histoire. Que Jésus te bat dans parcours ministère sur terre pendant que tu as enseigné les disciples concernant de la vie. Concernant de la vie, il t'a enseigné les disciples concernant de la vie. Moi, je crois que dans Matthieu 7, il dit en parole comme ça, il dit, ça t'a coûté un homme que lui possédait le monde entier. Et pourtant, il perdit dans lui. Et nous voyons Jésus, il y a une autre parabole concernant des enseignements de la disciple, concernant de la vie. Concernant de la vie. Et de mon homme qui est riche, eh ben, qui plein grenier li avec tout ça que eh ben, li de travail fait, et puis qu'on y a que l'el gade li ouè tout ça que qui nan grenier, hein? Li ouè tout ça qui autour de lui même ça le possède, li dit nan moi, réjouis-toi maintenant. Dans somme, c'est comme si m'ta dit que moi gagne tout ça que m'te vle possède. Moi arrivé eh ben trouver ou bien que réussi dans tout ça que me te prévoit dans tout ça me te prévoit dans tout ça que me te pensé à faire en d'autres termes réussi en d'autres termes pas gain pauvreté pour moi encore pas gain grand goût pour moi encore pas gain peine pour moi encore pas gain douleur pour moi encore pas gain tracas pour moi encore pas de souci pour moi encore tout le monde m'a souffrir moi. Moi, je finis de m'arriver côté Mia, moi, j'ai assez. Alors, tout ça me dit là, et pas ça texte là, dit non. Moi, dit yo à travers Jean que parabole là, baille là. Si c'est moi même jodia, si c'est ou même jodia, si c'est les grands de ce siècle jodia, c'est ça que yo t'a dit. Parce que moi j'ai tout ça j'ai besoin, pas besoin moun. Pas besoin appui moun. Pas besoin aide moun. Donc cela suffit pour moi. Et ça nous a dit oui, dans siècle pas nous aujourd'hui. Et puis que Jésus dit dans la parabole là, eh ben il dit jodi a même m'apprenons. Parce que ou se yon insensé. M'apprenons. Et parabole la fait comprendre que nom n'a pas passé soirée ya. Il mouri. Pour que ça mouri ya. Tendez bien, ça me dit là. Pour que ça mouri ya. Parce que l'ité yon insensé, li pat konne que
ça te possède, il te sorti de Dieu. C'est bon Dieu qui te bali la force, c'est bon Dieu qui te bali le courage, c'est bon Dieu qui te bali la santé, c'est bon Dieu qui te bali l'intelligence pour te travail, c'est bon Dieu qui te bali et ben ça roule et énergie pour te capable travailler de faire pour te dire bon Dieu merci, li pas fait ça. Li fait un acte qui pas reconnaissant. Et ben Dieu parole l'a dit que parabole l'a dit que eh ben bon Dieu prend amni parole dit que parole l'a prononcé et il est arrivé accompli immédiatement parole l'a prononcé et il est accompli qui ça qui leçon que moi-même personnellement ou bien que l'homme t'es qu'à tirer alors l'homme dit l'homme tout le monde qui t'a connu ta histoire gagne les leçons que nous t'a dû tirer à travers ça. Alors, pour lui-même, il te comprend que c'est ça que vie, c'est ça que la vie a. Non, ou jusqu'au demain. Pour lui-même, c'est ça que la vie a pour lui. Et puis là, il dit, non, il réjouit. Parce que quand il y a la vive, il finit toute ça te posséder. Qui leçon que me gagne? Premièrement, ça a fait me comprendre que c'est pas ça me posséder avec la vie. C'est pas étude là me faire avec la vie. C'est pas qu'à me posséder avec la vie. C'est pas soudio ou bien grenier qui rempli avec des ingrédients alimentaires qui t'a voulu dire que moi gagne la vie. C'est la vie. C'est pas par le fait que moi t'a gagné yon latrier personne qui travaille avec moi qui t'a dit que ça c'est la vie. C'est pas parce que moi t'a gagné pile l'argent la banque qui t'a dit ça c'est la vie. C'est pas parce que moi t'a voyagé à tout côté que me voulais sous terre ça t'avait dit que c'est la vie. C'est pas parce que moi t'a gagné tout monde qui a levé très haut avec des paroles puissantes qui pour faire que me content bien que n'ta vivre dans volupté nous qui t'a dans volupté qui t'a voulu dire que ah ben c'est la vie mais encore ça encore pas la vie ça pas encore la vie. Et deuxième bagaille que me trouver dans parabole là moun qui a bon sens qui réfléchit bien qui gagne la vie dans yo vrai yo gagne reconnaissant envers Dieu yo gagne reconnaissance envers Dieu le créateur ou bien leur créateur ou bien notre créateur parce que c'est lui qui a fait tout pour nous bien que yo pas la vie style mais nous devons dire merci parce que lui fait ça pour nous. Et là, c'est la raison pour laquelle nous réfléchissons comme ça à soi. Est-ce que nous ne pouvons pas joindre une étymologie de mot la vie? Pourquoi? C'est parce que, après avoir que tu as gagné tout ça qu'on gagne, tout ce que tu travailles, fait sous terre, selon ça que nous jouons dans Ecclésiaste. Chapitre 11, chapitre 12. Malgré tout ça que m'ta fait sous terre, m'ta travail très dur, en bas des projets fait pour me quitter à même pour sous terre, Bible a relé vanité. Si et seulement si yo vanité, yo pas la vie. Yo pas la vie. Et gain histoire du monde maintenant qui capable corriger ça m'a dit là histoire du monde te cap corriger ça m'a dit là nous pas besoin aller dans les décennies passées en arrivant de cette décennie là que nous connaissons maintenant que nous vivons maintenant en elle à l'aube de cette décennie là
Pourquoi? C'est parce que des hommes peut-être qui te disent que eh ben il y a vive. Et des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles qui te disent il y a vive peut-être. Alors que ma perspective est autour de thème là aussi, au thème de la vie. Que mon ta pensé qu'il a vu mais qui pas la vie. Tu as pensé que bon tout est terminé parce que j'ai la vie ou bien eh bien nous avons la vie en nous parce que nous possédons tout ce que dont nous avons besoin. Donc nous avons la vie. Mais qu'on y a côté yo. Qu'on a varis parti avec un pile. Gagné qui enterré sans bien. Maman yo, papa yo, bien maman, madame yo, mari yo, pas même qui est en roi yo, sans bien. Kote la vie. Et pourtant, qui pas de gagner, qui pas de gagner la vie, ça que nous pral parler là. Yo quitte kay, que yo te pense que la vie. Yo quitte machine, que yo te pense que la vie. Yo quitte gros bot, yo te pense que la vie. Yo quitte renommé que vous pensez que la vie a. Yo quitte business que vous pensez que la vie a. Yo quitte en pile l'argent la banque que vous pensez que la vie a. Yo quitte en pile petite ou bien madame, ça que te gagne 3, 4, 5 madame ou bien ça que te gagne 2, 3 mari qui te comprennent, c'est ça que la vie a parce que yo t'a joué babochi ensemble, c'est ça que te la vie a. Yo allez, yo quitte tout ça yo. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, qui n'en croit pas la vie. Et pourtant, y aller directement eh ben, dans la demeure de la mort éternelle. Et côté que, vous pouvez manger dedans pour le temps et pour l'éternité, puisque vous avez fait voyage là sans la vie. Et pourtant, vous avez offert la vie à chaque jour, chaque seconde. Vous entendez? Vous n'avez pas de basse importance. Vous entendez? Yo pas de basse importance. Yo t'es même arrivé passer ça dans bêtise. Ça veut dire que moi voulais montrer que vie yo ta vive là, pas la vie. Li pas la vie et jusqu'à maintenant, li pas la vie et le pas j'aime la vie. À d'autres termes, nous style à spéculer mais c'est quoi la vie? En disant que ces choses-là, ce sont des choses qui font partie de la vie, mais qui pas la vie. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, maintenant, gens que nous étions à marcher, hein, des événements qui ont fait 24 sur 24, et nous étions à travers des nouvelles, gagne nous vivre, gagne à vivre maintenant, gagne nous tendez parce que nous pas dans tous les pays du monde, nous tendez ça qu'a passé dans les pays du monde, gagne côté nous y en a vivre, gagne c'est tendez tendez yo, mais gagne c'est vivre na vivre yo, eh ben tant lui enseignez nous, nous devons chercher. La vie. Il est nécessaire pour chercher la vie. Quand un homme fait environ 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a des gens qui ont même 60 ans, 70 ans qui travaillent toujours. Après ça, qu'il mourit, il n'a pas joué en rien dans sa vie. Est-ce que ça a été la vie? Non, le pas de la vie. Kounya que moi ka joine yon mot pour me dire quelqu'un soit sa dictionnaire te ka dit concernant la vie ça c'est des hommes qui pensaient mais qui pas encore la vie mais nous trouver la vie a un seul côté.
C'est ça parce que maintenant, c'est l'heure pour que le monde sache que la vie est nécessaire. La vie que nous vivons sur terre, ce n'est pas la vraie vie. Et puis que pour chercher moyen, chercher la vie. Bon, il y a des personnes qui ne pensent pas du tout, surtout que dans la période côté qu'on est là, de ça que nous avons fait sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, comment que nous vivons maintenant sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait que je peux penser à ce sujet. Est-ce que nous arrivons à connaître c'est quoi la vie? Qui fait que je viens avec ça. Je veux dire. C'est pas l'heure pour que le monde t'a pas bamboché. Ou bien que dans toute qualité, ça pas bon. Tandis que c'est ça pas bon qui m'éteigne le monde dans ce que je veux dire là. C'est pas l'heure pour mon t'as cherché à accomplir les choses abominables. Mais c'est ça qu'a fait Kounia là. Pendant que c'est l'heure pour t'as cherché à appliquer les bonnes choses. Mais c'est pas ça qu'a cherché fait. Le monde maintenant, si t'as une réjouissance qu'a fait, c'est en Dieu. Mais ce n'est pas laisse à jour dire là. Pour ta pour magie que tu as faite sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur bagaille malhonnête que tu as faite. Non seulement magie, tu n'as pas peur ou pas crainte, eh bien, magie, sur les réseaux sociaux aussi. Tu es mon sur les réseaux sociaux aussi. Compromis hein, sur les réseaux sociaux aussi. Abomination sur les réseaux sociaux aussi. Messe mort sur les réseaux sociaux aussi. Messe mort sur les réseaux sociaux aussi. Corruption sur les réseaux sociaux aussi. Abomination sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, moun, toute qualité couleur, n'importe qui gens sur les réseaux sociaux aussi. Ça me fait savoir que le monde pas connaît certainement, eh bien, qui tant qu'à marcher sous yo. Pourtant que yo comprendre son bagaille de rien n'était par le fait que Diabla aveugler yeux yo. Pendant que n'a pas avancé, il y a un texte que moi t'a remis font petit coup d'œil d'Eli. Moi t'a remis font petit coup d'œil dans texte ça que Paul parlait avec chrétien Corinthien. Paul dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc les dieux de ce siècle aveuglent leurs yeux. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Dieu. Diabla aveugle les yeux yo, li obscurci l'esprit yo pour pas connaître ou bien pour pas choisir de faire de bonnes choses, à faire de bonnes choses. Parce que yo connaît que ça y a vie sous terre là, ou dit que la vie, c'est lui qui la vie. Non! La parole de Dieu dit que, eh bien, Jésus prononçait cette parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Trois bagailles. Trois choses. Je suis le chemin. Ça veut dire que si
Vous êtes dans le voyage, sur le chemin, sans avoir le chemin dont Jésus a tracé. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Et tormentez que pour ta pensée, pour ta réfléchie, est-ce que ou pas ta doué fait chemin qui normal, qui est Jésus de Nazareth. Jésus le chemin. Et tout le monde marche dans l'autre chemin, sinon que en Jésus, qui est le chemin, la vérité, soit marcher dans leur chemin ou pas marcher en Jésus, ou pas vivre en Jésus, ou pas brancher dans Jésus, ou pas contrôler par Jésus, projet ou sans Jésus, projet ou sans Christ. Tout son procédé sans Christ. Soit n'importe ça qu'on t'a fait pour te procéder sans Christ. Il n'y a pas la vie pour même, ou pas dans le chemin. Et bien maintenant, on demeure dans la mort. Jésus le chemin. Et il dit, moi c'est chemin, moi c'est vérité. Vivre sans Christ ou pas qu'à la vérité. Ou pas qu'à la vérité. Ou pas qu'on ait chemin là, qui est la vérité. Le chemin, la vérité ou pas qu'à la. Parce que seul monde qui vérité, qui baille vérité, qui baille chemin vérité, qui trace chemin vérité, non le relais Jésus de Nazareth. C'est-à-dire que maintenant, et tout le monde qui a vivre, qui a fonctionné, sans bon Dieu, il n'y a pas connaît la vérité, allez voir pour ta gagner la vérité. Il y a sans la vérité. Et puisque ou sans la vérité, vous êtes encore dans fait noir, dans fait noir. Marcher dans fait noir. Demeurer dans fait noir. Projet dans fait noir. Parler dans fait noir. Et c'est une raison qui fait crime. Arriver par toute la terre comme ça. Raison. Parce que nous pas connaît la vérité. Nous pas gagné la vérité. Nous pas ensemble dans la lumière. Nous pas connaît la lumière ou bien yo pas connaît la lumière. Alors on pas dire nous pas connaît la lumière parce que si me dit ça me la donne tout. Gain l'autre là dans tout. Non, ça qu'a vivre dans les ténèbres, yo pas connaît bon Dieu, yo pas connaît la vérité. Donc moun sa yo qui t'a pensé qu'il y a vivre, yo pas vivre parce que pas gen moun qui vit sans Dieu. Parole bon Dieu dit comme ça que moi c'est chemin, la vérité et la vie. Donc tout monde qui a vivre sans Dieu, yo pas gagné la vie. Donc la vraie vie, c'est ceux qui connaissent Dieu comme leur créateur, comme leur sauveur, comme leur rédempteur, comme la source de leur vie. Donc, moun sa yo, c'est moun ka vive. Moun ka vive, mon Dieu. Non, parce que lorsque moun a vive, c'est lorsque toutes conditions réunies pour les sous terre. Il ne connaît pas grand goût. Il ne connaît pas pauvreté. Il ne connaît pas souffrance. Il ne connaît pas peine. Il ne connaît pas douleur.
Donc moun sa, son moun ka vive. Non. Gen moun ki pa gon dola pour ta manger, li vive chaque jour par la foi parce que Bible a dit que son principe biblique que on moun vle l, ko pa vle l, accepte l ou bien rentre dans la philosophie avec la théologie pour ta montrer ou a déjà campé. Parce que son principe biblique qui dit que juste là, il vivre par la foi. Il doit vivre par la foi en appuyant tout simplement sur Jésus de Nazareth. Donc, moun sa, son moun ka vivre. Et après, il quitte moun sa, il prêt aller côté qui était préparé pour lui de la, pardon, à la fondation du monde. Parce qu'il déjà connaît que il est pour quitter ça. Donc, moun sa, son moun ka vivre. Il fait une préparation lointaine, par son père, par son rédempteur, en confiant en lui, en sa parole, en sa puissance. Donc, demeure ça à préparer pour lui-même. Et pour lorsqu'il quittait Mozart, il connaît que il a l'autre vie réelle, vie normale là. C'est là ça va rentrer dans vie normale là. Donc moun sa certainement lorsque le joint manger, li manger, le prier sous l'île manger, les seigneurs bal travail, là il travaille, il prier, et ben lorsque il fin travail, l'argent chèque la rentrer, li retire comme dîme, li partager avec les ailleurs, li partager avec frère, avec sœur bon côté, li partager avec un frère, li partager avec un ami, li partager avec un monde qui pas gagné parce qu'il connaît que ti crasse ça yo non, c'est pas la vie pour lui, mais s'il partager avec frère, avec soeur, eh bien, la capable de gagner pour le joindre encore, parce qu'il connaît que non seulement la joindre encore, mais jusqu'à la consommation, jusqu'à ce qu'il vienne dans le royaume de Dieu, il pourra continuer à jouir que ça qu'il te fait pendant qu'il était en vie. Ça. Donc, ça, c'est le monde qui va vivre. Donc, c'est ça que le monde aujourd'hui ne connaît pas, qui cause que tout bagage, ça, tout tracas, ça, sous terre, et puis que. Eh bien, terre a péché, terre a tremblé avec la méchanceté de toutes sortes dans le monde. Est-ce que bagay sa yo, c'est bagay qui fait comme ça ou bien qui vini comme ça? Non, ce sont des choses prédites par le conseil divin, par les prophéties bibliques. Donc, yo pas capable d'arriver, yo pas capable de faire. C'est ça que moi dit que, faut ta chercher étymologie de mot la vie, parce que si nous ta connais étymologie la mot la vie, si que l'homme d'arriver connaît étymologie du mot la vie ou bien de mot la vie, yo pas t'ap mener en vie comme ça, yo pas t'ap vivre comme ça, yo pas t'ap touyer gens ou vle, yo pas t'ap racher gens ou vle, ou bien yon pas tap détruit Jean Ouvlé, yon pas tap fonctionner Jean Ouvlé, yon pas tap nan compromis Jean que yon yé là, mais au contraire, yon pas tap rentrer dans sa oule les criminels de toutes sortes sous terre, mais au contraire, yon tapé, eh ben, créer des sa oule des atmosphères de sorte que pour tout moun sous terre te capable vivre, pas tap gagner bagay sa yo. Mais c'est parce que yo pas connaît ça, yo pas une révélation de ça, eh ben yo vivent de façon que pour yo satisfaire tête pas ou personnellement, et puis yo pas jamais arrivé qu'à satisfaire vraiment parce que l'homme est insatiable, et puis yo fait tout zak sous terre. Donc le monde nan yon état nous pas compte qui non que nous t'avali jodi a parce que yo pas gagné la vie, mais gagné yon société sous terre, gagner une nation sous terre, eh ben qu'à vivre, même si ou ajan ça comme ça, même si ou monde la vie est comme ça, même lorsque des seigneurs c'est ça le porter, mais gagner une nation qu'à vivre, gagner un peuple qu'à vivre, peuple ça ou le peuple bon Dieu, nation ça ou le nation bon Dieu qui est l'église de Dieu. Gagner un texte qui écrit dans Luc 21, ou bien Luc 21, le verset 33.
qui dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça, bon Dieu dit, qu'a fait la fête. Et c'est ça, l'homme pas connaît, c'est vérité cachée, ça, l'homme pas connaît. Il est capable de dire que, nous capable de dire avoir l'air caché, mais qui pas vraiment caché, parce que la parole écrite et qui prêchait, qui arrivait et enseigné par l'Église de Dieu, par les sauvés, par les rachetés de Dieu, eh bien, parole l'a annoncé, certainement, bon mauvais temps pour venir, côté que l'homme a besoin d'arriver chercher la vie, chercher Jésus-Christ qui est la vie, pour cacher en bas zèle, pour être capable de vivre et pour être capable d'échapper à la colère de Dieu qui prend le connaît sous terre. Mais au contraire, il a passé ça dans la bêtise. Ça veut dire que c'est menti. Ça va faire. Mais songez que vos paroles qui étaient écrites dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Parole ça, il était écrit après chute l'homme dans le jardin d'Éden et jusqu'à présent, amen, qui était poussé que parole ça a écrit, parole ça a prononcé, verdict ça a prononcé, malédiction ça a prononcé, jusqu'à maintenant, l'affaire pousse-li sous terre et jusqu'à la consommation des siècles, sous terre, l'a pas arrivé, faire pousse-li. Et la travail. Qui parole? L'Éternel te dit Adam, souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Avant que ça, commencement, verset a dit que, eh bien, on travaille avec sueur dans le fond jusqu'à ce que, on travaille avec sueur dans le fond pour manger un pain. Jusqu'à ce que pour retourner dans la poussière, côté où tu prends, côté où tu sorti, parce que c'est poussière, ou à retourner dans la poussière. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la parole de bon Dieu? Est-ce que c'est l'autre monde qui te prononce la parole ça dès le commencement? Non. Pas bon historien biblique, pas bon historien païen, pas bon homme de lettres, pas bon grand physicien. Pas bon l'autre monde, pas bon l'autre Bible qui écrit, qu'on a une parole ça la donne, comme pas bon l'autre, comme grand pile Bible qui écrit, mais bon seul Bible, c'est la parole de Dieu. Donc c'est la donne nous une parole ça, c'est la parole de Dieu qui a percuté jusqu'à ce soir. Et jusqu'à avant l'église bon, même après l'église a enlevé, parole ça continue à faire travail, faire couster dans le monde là. Donc la parole de Dieu est irrévocable. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est la vérité. Donc, tout le monde qui croit dans la parole de Dieu, donc, ou bon, le monde qui pas croit dans la parole de Dieu, eh bien, Jean que Jésus te dit dans la parole de Dieu, ou sont insensés, eh bien, que, ou pas même connaissent si bon Dieu existait, eh bien, tant ça, aujourd'hui, côté qui m'a parlé, Kounia là, les serviteurs de Dieu, un peu partout dans le monde entier, a pu prêcher, enseigner la parole de Dieu, enseigner, eh bien, c'est l'heure pour nous chercher la vie en abondance. Parce que la colère de Dieu va frapper le monde. La vie, c'est Jésus de Nazareth. De la vie. Tout le monde qui croit, il y a la vie, il y a possédé la vie, et il y a vivre la vraie vie. Et jusqu'à ce que il va quitter terre pour aller continuer vivre ça dans le bonheur éternel qui pas bien fin. Mais c'est jodi a. Et c'est ça que, Jésus dit comme ça que je suis la porte. Moi c'est porte là. Et par là dit que Jésus dit dans ensemble à disciples parlons yo ta pas passer sous ça que moi-même parole pam prononcé. Rien. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Terre
gen pou le passé ciel là gen pou le passé ça qu'on possède yo qui est vanité comme nous disons déjà par la bouche Salomon vanité tout n'est que vanité si yo vanité yo pas la vie donc bon Dieu dit tout le monde qui mette confiance dans sa possédé dans connaissance yo soit dans pays yo ou bien dans drapeau pays yo qu'a flotté par vent que bon Dieu a créé et mais qu'a flotté yo dit que yo c'est nation la plus puissante la nation la plus haute nation qui gagne plus de et pouvoir et d'autorité et ben yo pas connaît bon Dieu qu'a vivre dans immoralité qu'a vivre dans sa volé et ben ça qui mal qu'a vivre dans sa volé et la méchanceté la cruauté non moun sa yo yo besoin font réflexion maintenant à ça qu'a passé kounya là et pour prendre Jésus-Christ comme la vie parole bon Dieu pas passé bon Dieu déclaré dit mon ça que faut méchant juger il prend détruire la terre et méchant ou tout la méchant gien pour juger de ça qui ont été fait pendant sous terre bon Dieu prend le monde au compte de ça qui ont été fait pendant sous terre c'est une vérité tangible et absolue donc le bon elle est nécessaire pour remettre la vie au Seigneur. Laisse ça ou a gagné la vie. Ou a connu la vie, ou a fait expérience la vie, et ou va croire que après vie ça, ou pral vivre l'autre vie qui pas finir. La vie éternelle. Parole bon Dieu prononcée, tout ça qui est écrit, y a fait. Sa parole bon Dieu dit, y a fait. Mais tout ça qui existait ni celle-là ni terre avec tout ça qui l'a donné ni sous terre ni dans ciel là ni en bas terre tout gain pour yo passer parce que ce sont des vanités mais parole bon Dieu reste et demeure béni soit l'Éternel pour ceux qui se confient en l'Éternel en sa parole en son nom merveilleux. Mes frères et sœurs, décennies que nous vivons maintenant, li ça qu'a fait maintenant, li enseigne nous bon événement qui va le passer. Bon événement qui va le venir. Événement qui va le venir, ou besoin d'échapper d'événement ça, qui va être très dur. Fracasse, car la parole est dit que tu es après le passé avec fracasse. Pralgan pile peine. Soit qu'a fait là c'est beaucoup peine. Soit la souffle là c'est beaucoup peine. C'est beaucoup douleur, c'est beaucoup fracas. Nous pral connait peine, yo pral connait douleur, yo pral connait fracas, yo pral connait souffrance lorsque la colère de Dieu va tomber sur terre. Mais maintenant, c'est pas encore la colère de Dieu, mes frères et sœurs, ou bien ceux qui m'écoutent et bien partout et ailleurs dans toutes les nations sur terre, maintenant, c'est l'heure pour chercher à connaître Dieu et puis prendre que la vie qu'elle bail qui est la vraie vie. Il est ça nation yo va gagner va joindre une solution. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Et vous réalisez que certainement pas un homme sous terre qui est capable de dire, qui est capable de bailler une définition propre à la vie. Si jamais que ce n'est pas bon Dieu qui révélait au cœur pour nous que, eh bien, moi c'est la résurrection et la vie. Ou bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Monde qui connaît, monde qui suit moi, monde qui obéit, monde qui croit en moi, il y a vivre, il y a connaître la vie, il y a fait expérience à la vie. Et yo pas mais vivre encore même lorsque tu as mouru. Ça veut dire que tout ça nous dans dictionnaire, tout ça l'homme dit pense dans de la vie sans avoir la vie qui est Jésus-Christ ou pas connaît définition de mot de la vie. On connaît. Si ça
que nous t'as vu sous terre là, c'est ça fait que Paul dit, si jamais c'est ça, c'est ça, c'est ta sous ça sous terre seulement nous t'as espéré, nous c'est monde qui est plus malheureux. Mais oui, c'est une vérité absolue, hein. Si nous t'as, si est sous terre ça seulement, sous ça nous est sous terre ça seulement, c'est un envie ça que nous parlons là de vie. Que moun comprend ki nan machine ki nan machine ki nan caille ki nan connaissance ou bien ki nan travail ou bien ki nan pays ou bien ki nan grand pays les petits pays etc. ki nan ça que l'homme a fait nan zam etc. nan touye moun détruit moun etc. pour rayer diviser pour rayer c'est ça que ta la vie c'est dans ça que nous ta quoi dans ça sous terre nous c'est moun qui plus malheureux mais béni soit l'Éternel pour moun qui croit dans mon Dieu qui est la vie même Jésus le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que pas moi, si jamais vous voulez que la vie assoya quand vous attendez là tourne votre regard vers Dieu comme ça a dit eh ben lorsqu'on poste le regard sur mon Dieu eh ben ou pas visage ou pas couvre de honte mais au contraire il couvre avec la vie bon Dieu dans lui-même tout chrétien. Les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui m'écoutent maintenant peuvent témoigner ce que je viens de dire maintenant. La vie est en Jésus-Christ. La force est en Jésus-Christ. La puissance est en Jésus-Christ. Même si qu'au pays, tu as possédé toutes âmes qui sont sous terre, les plus grandes âmes qui sont sous terre, tu es capable de gagner un arsenal d'âmes, les pas puissants. Le Tout-Puissant est l'Éternel des armées. C'est avec le Tout-Puissant. Ce Tout-Puissant-là, nous pouvons vaincre le malin. Nous pouvons vaincre le mal. Nous pouvons vaincre le péché. Nous pouvons vaincre l'immoralité. Nous pouvons vaincre la criminalité. Il est ça. N'a qu'on est la vie. Et c'est ça que fait que ce parole l'a écrit. Parole, bon Dieu dit que bon Dieu va juger l'homme et la juger tout secret du cœur. L'homme il y a secret là qui sortit dans le monde invisible, qui cache dans le monde invisible, qui est pour vivre sous terre. Il y a secret là et qui a fait dans le monde qui a fait crime et partout sous terre. Dans compromis, il y a secret, et compromis sans secret au fait. Crime, sans secret au préparé. Corruption, sans secret au préparé. Mais laisse-moi vous dire ceci, mes frères. Amis, moi, cap coûte maintenant, sur tous les réseaux sociaux, un peu partout où vous êtes, l'Éternel, pas de secret pour lui. L'Éternel, vive là. L'Éternel voit que action à faire. L'Éternel voit quand tu as préparé crime non. L'Éternel voit quand tu as préparé complot. L'Éternel voit quand tu as préparé immoralité. L'Éternel voit quand tu as préparé un messaolé et attrape nous gon. L'Éternel voit quand tu as préparé action qu'on va le faire demain si Dieu veut. Action qu'on va le faire l'autre semaine non. Action qu'on va le faire l'autre mois. Sous un petit pays, sous un grand pays, sous un jeune garçon, sous une fille, sous un malheureux, etc. Sous l'église mon Dieu, etc. Bon Dieu, où est ça? Si mon Dieu qui t'a fait, et mes bonnes raisons qui t'a fait, ou même tout, il prend le droit de jugement. Donc, crime ça doit pas faire là. Qui est crime là? Dans compromis ça doit pas entrer pour faire crime là. Qui est crime là? Dans corruption ça doit pas faire. Qui est là? Sous-tendez maintenant. Sous-tendez maintenant. Dans crime ça doit pas faire. T'appelles. Faire entrer dans conspiration pour crime, ça a préparé pour la fête, pour soit pour un pays, soit pour une famille, soit pour une personne, soit pour un jeune garçon, soit pour une jeune fille, soit pour l'église, soit pour un quelconque contre le crime, non, soit pour de la qui des crimes, non. Retirons-nous ça. Parce que la colère de Dieu peut tomber sous le même. Pour nous terminer, pour qui ça fait que l'homme pas quoi dans sa bon Dieu dit? Tant qu'ounya là, l'homme a fait crime comme ça sous terre. L'homme a fait méchanceté comme ça sous terre. C'est parce que bon Dieu bail opportunité pour capable de choisir la vie
avant de frapper par le jugement de Dieu. Bon Dieu, quittez-vous vivre encore. Pour être capable de penser, pour être capable de réfléchir. C'est ça que Pepe dit dans le commencement. C'est l'heure pour que l'homme, les hommes, sous tous ces conseillants, soient capables de penser parce que ça qui est là n'est pas possible. Ça qui passe sous terre là n'est pas possible. Il peut engendrer un événement. Il annonce un événement. C'est l'heure pour l'homme de penser. C'est l'heure pour l'homme de réfléchir. C'est l'heure pour l'homme de tendresse. C'est l'heure pour l'homme de marcher ensemble. C'est l'heure pour l'homme de bailler la main. C'est l'heure pour l'homme d'exercer l'amour, exercer tendresse, exercer la miséricorde. Mais c'est l'heure l'homme plus méchant, l'homme plus cruel. Parce que parole, mon Dieu, écrit déjà, dit comme ça. Non, dernier temps, ça plus méchant, ça méchant, plus méchant, ça criminel, plus criminel. Mais ça tout. Qui a exercé la miséricorde, il a exercé encore. Ça qui juste, a juste encore. Ça qui est sanctifié, il a sanctifié encore. Mais ça qui n'a malheur, il a poussé encore dans le malheur. Parce que son prophétie que Dieu a accompli, la parole de Dieu écrite, une fois pour toutes, l'a accompli. Une fois pour toutes, terre à ciel l'a passé. Mais parole, mon Dieu, pas passé, mes frères. Et mon Dieu quitte un intervalle pour que quelqu'un accepte le Seigneur. Et bien, qu'on a dit, pas de mon Dieu qui existait. Et puis, on continue à faire crime. Sous tout sens. Parce que, mon Dieu pas tout yo. Mon Dieu pas détruit yo. Non, frère. Mon Dieu pas détruit comme ça. Mon Dieu pas tout yo. Comme ça, la quitte intervalle de sorte que pour qu'il repentit. Et là, pas repentir, c'est laisser ça. Il n'y a pas tout comme ça, non. Il compte comment que le prêtre vienne avec vous. Parce que quand même, il faut venir avec lui, comme mon Dieu du proverbe là. C'est dans ce, mais je n'ai, il n'y a aucun méchant mal. Quand même, vous pouvez le rencontrer avec mon Dieu. Nous tentons que vous parlez de la mort sans jour en Haïti qui n'a pas de limite. La mort sans jour qui a limite. La mort sans jour qui a limite. Si que la mort sans jour n'a pas de limite. Il y a une erreur. Vous êtes dans l'erreur, mon frère. Et tout à coup, il y a avant vous, il y a dans l'erreur aussi. Et tout complot qu'a fait avec tout ce qu'a fait qui cause que ça pète comme ça, contre le peuple, mon Dieu, contre le monde, mon Dieu, créé sous Dieu pour vivre là, et bien c'est ça qu'a fait. Bon Dieu, qu'on est contre le complot, et bien nous avons limite. Les grandes nations ont limite. Les petits ont limite. Les grands ont limite. La grande puissance gagne limite. Ça n'a pas gagne limite. Là, l'éternel jamais. Nous gagne limite. Et à ce moment-là, nous avons conseillé nous pour nous être capables de choisir la vie. Même Jean Moïse te dit avec le peuple Israël. Il dit Israël, je conseille de choisir la vie. Donc à ce moment-là, cher internaute, cher auditeur, cher ami des ondes, qui peut qu'on gagne le Seigneur la vie ou, moi conseille ou, choisis la vie. Ça compte tout de vous même non. Soit gagne yon, soit gagne la banque là, soit dormi la donne non, soit qu'à voyager la donne non, avion qu'à aller dans tout partout sous terre, li pas la vie. Choisis la vie plutôt, Jésus-Christ de Nazareth, et puis ou à vivre. Et puis ou à échapper de la colère de Dieu. Certainement que nous disons, nous pas besoin de mon Dieu, parce que ça nous possède, c'est mon Dieu nous, non. On a l'erreur. Et pas mon Dieu. Et ce moment-là, on ne peut pas mourir par lui. Machine, non, dit, c'est mon Dieu là. On ne peut pas accéder à machine, non, tout yon. Ah, on ne peut pas voir pas la vie. Ou. Et qu'à tout yon. Choisis la vie, plutôt. Les grands, choisis la vie. Les petits qui ne connaissent pas encore Dieu, choisis la vie. Les puissants qui comprennent que yon se moun qui est plus puissant sous terre, c'est parce qu'on bagne la vie, choisis la vie. Les grandes nations, choisis la vie. Président, choisis la vie. Homme libre, choisis la vie. Lettré, choisis la vie. Illettré, choisis la vie. Les hommes forts, les hommes puissants, choisis la vie. Parce que la colère de Dieu prend tomber sous terre. Cherchez la vie. Ce n'est pas l'argent qui la vit. Ce n'est pas l'avion qui la vit. Ce n'est pas business qui la vit. Ce n'est pas, madame qui la vit. Ce n'est pas petit qui la vit. Ce n'est pas position qui la vit. C'est pas chita des chaises blanches dans la présidence ou bien que dans le palais avec la vie ou non. C'est pas sans la banque avec la vie ou c'est pas sans la vie ou. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a besoin comme la vie. Choisis la vie de maintenant. On va vivre.
Si on n'a pas besoin de la vie, c'est parce qu'on ne comprend pas ce que la vie a. Mais maintenant, Jésus-Christ dit nous que le ciel et la terre peuvent passer à tout ça qui est en eux, mais la parole de Dieu reste et demeure. Pour le bon jugement. Pour le bon jugement. Et puisque par le bon jugement, échapper au de ce jugement-là, qui va venir bientôt. Qui l'a venu? Bah, connaît. Pas de monde qui connaît. Mais la parole de Dieu dit que jugement va venir. La terre annonce le jugement va venir. La décennie dont nous vivons maintenant annonce le jugement va venir. Pasteur, qui va vivre la vie de notre Christian, jugement va venir. Ça qui n'a pas bouillé, qui pas quoi que dans la parole de Dieu, jugement va venir. Ça qui a vendu conscience pour être capable de procéder la bien de la terre, jugement va venir. Ou pral quitter tout ça sous terre. Et puis après, ça pral juger. Après, ça pral l'enfer. Les jeunes garçons, jugement pral vini. Jeunes filles, jugement pral vini. C'est l'heure de la repentance. Et maintenant, si vous ne croyez pas dans la parole de bon Dieu, c'est malheur ou non malheur. Et cherchez moyen pour capable sortir en bas malheur. Et pour capable choisir la vie qui est dans Jésus-Christ. Pour nous terminer, gagnons au terre qui nous conquête chien bagaille. Le chirurgien et un physiologiste qui dit en parole. Que m'pa ka terminer sans jamais que m'pa dit ou parole ça pour aller réfléchir sur lui. Et si toi ceux qui disent que Dieu n'existait plus, Dieu n'existait pas, et c'est la raison pour laquelle qui fait que ils ont fait tout ça que vous voulez parce que c'est eux-mêmes seuls qui ont pouvoir. Ils ont dit bon Dieu pas exister. Tenez bien. Ils ont jugé. Et il y a un physicien qui donc aucun chaîne parole. Monsieur est Alexis Carrel. Monsieur écrit, monsieur dit l'homme a besoin de Dieu comme il a besoin d'eau et l'oxygène. L'homme a besoin de Dieu comme il a besoin d'eau et oxygène. L'homme aujourd'hui qui pas connaît bon Dieu encore, qui ignorait l'existence de Dieu pendant que il existait pas Dieu, et Alexis Carrel dit que nous besoin bon Dieu, même genre nous besoin oxygène bon Dieu, nous besoin l'eau bon Dieu, c'est avec oxygène bon Dieu, avec l'eau bon Dieu nous vivons. Et Alexis Carrel dit nous que nous besoin bon Dieu tout, c'est pas oxygène bon Dieu, c'est pas l'eau bon Dieu nous besoin pour lui parce que pas y a monde qui a besoin d'oxygène, tout simplement ou ca justifier que ça dit là. Allez que monde qui gagne connait avec sur kounya à l'hôpital pour voir que comment yo obligé mettre un cylindre pour eux-mêmes pour pas oxygène parce que pour moi pas qu'à propager oxygène encore pour moi déjà pour trop choc ni pas qu'à propager oxygène yo obligé mettre un vent qui table dit yo oxygène passager qui pas huile oxygène de sorte que pour qu'à vivre et cependant si on pas une l'eau yo pas un sérum yo mourir. Ah, pas de monde qui ignore de ça qui m'a dit là. Donc, c'est l'heure pour connaître que vous avez besoin de mon Dieu. Ou pas qu'on a besoin de aujourd'hui, ou a besoin de demain. Ou pas besoin de semaine, ça, ou a besoin de l'autre semaine. Ou pas besoin de l'autre semaine, ou a besoin de l'autre mois. Ou pas besoin de l'autre mois, ça, ou a besoin de l'autre mois. Ou pas besoin de l'autre mois, ou a besoin de l'autre année. Ou pas besoin de l'autre année, ou a besoin avant que. Ou rentrer dans l'enfer éternel. Donc, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Moi, quitte, cher ami, pour penser à la parole ça. Pour joindre
signification mon la vie. Et lorsque on pas joindre signification propre du mot la vie ou bien deux mots la vie kounya ou pas joindre avec texte biblique ça Jésus-Christ prononcé je suis le chemin je suis le chemin la vérité et la vie. Et ou capable poser question et moun yo mouria parole la écrite que de nous aujourd'hui m'a talé là à cause de désobéissance l'homme sous terre Adam et ben parole ça a été prononcé dans Genèse chapitre 3 le verset 9 qui dit que c'est avec sueur dans front nous n'a manger morceau pain n'a prêté en pile à pour manger morceau pain et là fin nous manger pain n'a retourné dans poussière parce que nous c'est poussière à cause de désobéissance là n'a pas entré dans poussière côté de sortir. Mais avec monde qui recevra la vie qui est Jésus de Nazareth qui est la vie, yo pral vivre encore comme Jésus dit dans Jean 3, dans Jean 11 verset 35 qui dit comme ça, je suis la résurrection et la vie. Donc tout monde qui croit en moi, il y a vivre encore même lorsque tu as mouru. Qu'est-ce que la vie? Ma quitter que question ça. Penning, what does that mean life? Questioning yourself so that you can find out what does that mean life. And then, if you cannot find an answer now, you questioning God about life, and then he will tell you, I'm alive, I'm away. Anyone who are believing me have opportunity to be in life, to be experience with life, to be in life, will rejoice life. And me, not and what you have, and your business, and your family, my enemy. C'est bien malheureux pour monde qui pense ça, mais assoya gain opportunité encore. It's really miserable for anyone who believe. And that they have. And everything gonna be passed. You believe in them. You take them as your life. It's not true. But tonight, you have another chance. Turn your life. Turn your way. Turn your eyes upon God. And you will have life. For the last thing. And the last thing. For everlasting. And everlasting. What does that mean? What does that mean life? Qu'est-ce que la vie? Seigneur notre Dieu, mon berger, papa, nous grâce. Nous remercions infiniment. Pour la parole de Dieu. La parole puissante de Dieu. La parole écrite de Dieu. La parole ineffable de Dieu. La parole qui est la vie. Que vous révélez nous ce soir. Parce que il y a des fois que Seigneur, nous laissons le chemin. Et nous allons loin de toi, Seigneur. Mais ce soir, tu nous révèles encore, Seigneur. Tu as le chemin. La vérité, la vie. Et si jamais, Seigneur Dieu, nous croyons en nous-mêmes, nous vivons encore. Même lorsque nous avons mouru, parce que péché fait que nous devons passer par la terre encore, mais nous allons vivre encore par la foi de nous-mêmes. Bénis-nous, Seigneur. Bénis serviteur et chaque monde qui t'a écouté. Seigneur, permets-toi de penser que aussi la vie. Et tout le monde qui croit en nous. Il va gagner la vie encore. Merci pour ce moment précieux.
Merci pour la paix. Merci pour la joie. Donc nous avons trouvé, Seigneur Dieu, nous avons trouvé en Jésus-Christ ton Fils, l'unique Sauveur, l'unique Rédempteur qui vive et qui a prié pour le temps et pour l'éternité. Amis auditeurs, il était précieux pour nous-mêmes ce moment, pour dépasser du temps ensemble avec vous. Maintenant, il est arrivé pour nous capables de vider les lieux, mais nous avons appelé à continuer à penser c'est quoi la vie. Et lorsque vous allez découvrir, ou pas qu'à jeune signification propre de la vie, on va dire, Seigneur, révélez-moi c'est quoi la vie. Il va nous, c'est lui-même qui la vie. Et bien, on va retourner à lui-même et qu'on va connaître la vie. Nous souhaitons du bon courage, surtout la foi, amis auditeurs, et ça qui, par contre, ça qui connaît mon Dieu, nous souhaitons du courage et la foi. Et continuer à mettre confiance dans mon Dieu et d'appeler encore marcher en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit. Et que le Seigneur vous bénisse. C'était ton serviteur, Pasteur Jacques François, ton frère et ami. Salut.